You are waiting for the BDO Live Studio. Vous attendez pour le concert. Soyez patient. Ils arrivent. You are waiting for the BDO Live Studio. Vous attendez pour le concert. Soyez patient. Ils arrivent. You are waiting for the BDO Live Studio. Vous attendez pour le concert. Soyez patient. Ils arrivent. Vous attendez pour le concert. Soyez patient. Ils arrivent. Vous attendez pour le concert. Soyez patient. Ils arrivent. We think too much and feel too little. More than clubs, kindness, and gentleness. Without those qualities, life would be violent and impossible. So you must be easily. Human and humanity. Il faudrait qu'un bon boulot, bien aboutissant.
Ça calmerait. Bonsoir à tous et bienvenue sur la deuxième édition du concert live BDA. Exceptionnellement, on a tourné ce week-end parce que le lieu s'y prête et qu'il est incroyable. Ce soir, on reçoit Vénus Vénère pour 20 minutes de concert. On se retrouve juste après pour l'interview. Les couleurs, c'est mes amis.
J'aime rester toute la vie assis devant cet ordi. Une chanson s'appelle Toi Seul et parle des gens qui font souvent semblant. C'est bien un star du vieux mytho que tard en jurant sur leur vie qu'ils bossaient jusqu'à tard. J'ai fait souvent semblant. Pour tous les connards qui tournent la porte de comptoir, qui parlent leur soirée version vodka caviar. La prochaine chanson s'appelle Tarba et elle parle des gros bâtards. Ça commence à l'école, je collectionne des heures de colle. Y'a des meufs qui rigolent, je les entends, je suis pas gogol. Mon look a l'air un peu pété, les gens demandent si je suis pédé. Mon groupe de rock démodé en soirée jamais invité. Le karma n'existe pas, j'ai vérifié moi-même. Les tarbas sont comme des rois, tu
dois l'équiquer toi-même. Le karma n'existe pas, il a trop la flemme. Les tarbas sont comme des rois, tu dois l'équiquer quand même. La vie te donne des coups, tu te fous à genoux. La vie te donne des coups, tu te fous à genoux. Lentement et ton cul. Je me fais virer de partout, les gens me prennent pour un fou. J'ai cru qu'ils avaient raison, en fait ils frisent comme des moutons. Je me prends des coups au visage, je fais peur aux gens qui sont sages. Mais quand je me couche dans mon lit, le soir je sais qui je suis. Le karma n'existe pas, je vérifie moi-même. Les tarbas sont comme les rois, tu dois l'étiqueter toi-même. Le karma n'existe pas, il a trop la flemme. Les tarbas sont comme les rois, tu dois l'étiqueter quand même. La vie te donne des coups. Te donne des coups, te fous à genoux. Lentement, ça commence à l'école et puis ça continue encore. Des années ça te colle et jaloux, vote ta mise à mort. Une bande de chagrins qui ne font qu'aboyer plus fort pour exister en vrai et oublier leur vie de mort. Le karma n'existe pas, je vérifie moi-même. Les tarbas sont comme des rois, tu dois l'étiqueter toi-même. Le karma n'existe pas, il a trop la flemme. Les tarbas sont comme des rois, tu dois l'étiqueter quand même. La vie. La prochaine chanson parle de vos histoires personnelles sur Tinder. C'est pas celle-là. C'est celle d'après. C'est toujours pas celle-là. Alors ça c'est marrant, mais t'es différent vraiment. Alors ça c'est marrant, t'es pas comme sur l'écran.
baisé, aussitôt j'ai sursauté. À la fin de la soirée, je me suis dit le plus dur est fait. Je me suis laissé tenter et gentiment je suis montée sur un vieux clic-clac pété. J'ai gardé les yeux fermés. Alors ça c'est marrant, mais c'est différent vraiment. Alors ça c'est marrant, t'es pas comme sur l'écran. Pourquoi t'es pas pareil que sur l'appareil? T'avais l'air d'une arène, mais là t'es pas pareil. Chanson inspirée d'une histoire vraie. Gare à vos applications, le pire peut arriver. Ma foi, la prochaine chanson est une reprise. Une bonne reprise. Une reprise d'un ténor de la chanson française qui nous a donné envie de commencer la musique dans les années 2000. Voilà, nous l'avions découvert à la télévision sur le Morning Live. Le funk, mélange de funk et de rap. Avec mon complice, je suis prêt comme les fruits de mer. Sa mère. Tu sais c'est qui James Brown? Mon père. Avec ma cuisine en beurre, ma glambeur, mon style fait peur. Comme ta sœur. Les filles en sont folles, les DJ en raffolent. Tout ça dans le monde d'Alphonse Brown. J'ai la soul pour les sisters, le freeze pour les messieurs. Et quand je barque, on en dit c'est Twister. Alphonse c'est moi, mon nom c'est Brown. Hardcore comme le Nord Underground. Hey cousine, je suis une sex machine. Et ramène tes copines, je leur casse le jean. Allez, c'est la dernière déjà. On nous avait donné 20 minutes, on en a fait 23. Oh oui. La prochaine chanson s'appelle Popcorn Lorraine, que tu as à dire sur ça? C'est tabou et c'est sur YouTube. Voilà, on a sorti le clip. Vous pouvez nous retrouver sur l'internet au Vénus VNR. À moi dire, profitez. Encore un gars perdu dans le YouPorn, dans le vide. Jamais je ne l'ai revu, dans le YouPorn il réside. Infini mosaïque, au pouvoir hypnotique. Tu vois toute la nuit il clique, regarde les gens qui niquent. J'ai trop traîné sur internet, pâté des lapins en levrette. J'ai trop traîné sur internet, j'ai cassé un truc dans ma tête.
J'ai trop traîné sur internet. Ma télé compile de branlettes. J'ai trop traîné sur internet. J'ai cassé un truc dans ma tête. Les millions de nichons me font perdre la raison. Un petit porn et du popcorn tous les soirs pour que je m'endorme. Avant j'avais une nana, une vraie pro du Kamasutra. Quand elle m'emmenait dans son lit, je ne voulais voir que Katsumi. Bonsoir Félix et Lorraine, comment allez-vous après ce concert qui était trop cool ? Bon, on va bien. Très bien, bonsoir à toi. Ok, du coucou, la première question c'est comment vous êtes rencontrés et depuis quand vous êtes ensemble ? En fait on s'est rencontrés en bossant sur un autre projet, où moi je faisais les chœurs et lui de la batterie. Et ça fait combien de temps ? En fait on a bossé sur plusieurs projets ensemble avant Vénus Vénère, bon, je dirais que ça fait 5-6 ans qu'on bosse ensemble et Vénus Vénère ça va faire 2 ans. Ouais, un truc comme ça. Ok, cool. Et du coup, comment vous composez vos chansons ? Quel est votre rituel ? Travaillez-vous avec d'autres musiciens ? Alors moi, j'ai un rituel, c'est que je me mets en slip chez moi. Je mets le chauffage à fond et puis je compose en général une journée, un titre. Et en fait, j'essaie de garder une sorte de spontanéité comme ça où j'essaie de ne pas passer trop de temps sur les tracks parce que je me suis trop perdu auparavant à vouloir trop perfectionniste et donc à perdre une sorte d'âme et de spontanéité. Voilà. Et Lorraine, toi, t'es plus du côté... Et moi, je chante ce qu'il écrit. D'accord, ok. Ouais. Et vous travaillez avec personne ? Vous êtes que tous les deux sur vos sons ? Ouais, coup, en fait, pour la compo. Okay. C'est moi qui fais la compo. Lorraine m'aide après à affiner peut-être la manière. L'interprétation plutôt. Puis après, on a des réals des fois sur certains titres. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre au propre dans des studios. Mais pas tout le temps, ça dépend des titres. Ok, ouais. D'accord. Du coup, votre parcours est assez atypique. Félix, toi, tu as déjà fait partie du groupe Thérapie Taxi. Feu, et tu as travaillé avec Solal Rubin. Pas feu. Ouais. Et toi, Lorraine, du coup, tu sors du conservatoire. Ouais. Comment vous avez réussi à vous mélanger ? Comment vous sortez ce son qui est assez unique ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, quoi ? On ne réfléchit pas trop déjà, on n'intellectualise pas les choses, et puis on essaye, on se questionne toujours. Et on essaye de renouveler tout le temps, de ne pas rester bloqué, quoi. Ouais, en fait, on s'est rencontrés en commençant à bosser ensemble, donc on ne s'est jamais posé la question, si tu veux. La collaboration, la relation part de là, donc bon, voilà, c'est comme ça. Ok. Et du coup, vous avez sorti un premier EP il y a un an, ouais. Environ, et un dernier single Pop Porn, c'est ça ? Yes. Est-ce que vous avez des dates annoncées, des nouveaux projets ?
Alors, dates, on a une dizaine de dates qui vont probablement être annulées. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on a des dates qui se bookent, évidemment, et des dates qui se décalent, etc. On a reporté notre boule noire. Bon, voilà, ça reprendra forcément un de ces quatre. Donc, on devait sortir une deuxième série de titres, en fait, et on a décalé à cause du Covid, parce que nous, quand on sort des titres, on aime bien les défendre en live derrière. Donc, on a tout ça qui est au chaud. En attendant, on sort des petits titres. On a sorti un remix, une reprise. Voilà, là, on a un nouveau clip qui est en route. On va lâcher des petits titres sur l'année 2021. Voilà. On attend de voir un peu, on tâte l'ambiance comme tout voilà, le monde. Après, nous, on a bossé l'album, ça fait un peu plus d'un an qu'on est dessus en studio. Donc, il y a plein de tracks qu'on aime beaucoup, qu'on rentre petit à petit en fait, dans le live. Ça nous permet de tester aussi. Ok, et du coup, vous avez fait des lives en France, en Angleterre, enfin des concerts. C'est quoi, pour vous, c'est quoi la différence entre les deux publics ? En Belgique aussi, en Belgique. À Liège. On a failli faire la Suisse, puis ça a été annulé. Ouais, c'est vrai. Bah, la différence, ils parlent pas la même langue. En Angleterre, c'était beaucoup de l'anglais, les gens, le public. Et en France. Mais du coup, ce qui fait qu'il faut être hyper bon au niveau du son. En France, on peut se dire, les gens, ils écoutent les paroles. Si on n'est pas hyper tight ou si on chante un peu faux, c'est pas grave, ça passe. En Angleterre, il y a que ça qui importe, quoi. Ouais, mais y a c'était marrant. On était un peu bête de foire. C'était soirée French pop spéciale en Angleterre, donc il n'y a rien en paroles, mais bon, ils avaient prêté attention aux mélodies, tout ça. Mais il n'y avait pas une différence flagrante en vérité entre le pays. Voilà. Il fallait rouler à gauche au lieu de à droite. Ça aussi, c'est une vraie différence. Et en sortant de concert, c'est plus difficile qu'en y allant. Je me doute. Voilà. Ok, et du coup, là, ça y est, vous avez repris un live. Ça vous fait quoi, du coup, d'enfin reprendre au moins un concert, un live ? C'est kiffant. On a pu se retrouver avec Théo, notre musicien. On a pu remonter sur scène pour bosser. Et puis là, on se retrouve ici, c'est cool. Prochaine étape, c'est avoir un public qui a le droit de réagir. Voilà, parce que là, il y a une équipe, ils étaient tous très silencieux, mais voilà, le contact avec le public, c'est encore plus kiffant que juste de jouer, ce qui est déjà assez cool. C'est beau ce que tu as dit. Je sais. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Des concerts. Plein d'argent. Moi, j'aimerais en fait qu'on stream à peu près 40 fois plus, ce qui me permettrait de me dégager un SMIC par mois. Ok. Et on vous souhaite tout ça, du coup. S'il vous plaît, cliquez sur nos chansons sur Spotify. Regardez nos clips. Voilà, plein d'argent. Non, pas spécialement de l'argent d'ailleurs, mais des concerts, c'est bien, des belles idées. Et voilà. Peut-être. Oui, j'aimerais acheter une Switch aussi. Ça j'aimerais que ça fasse. Mais oui, mais c'est pour les concerts, pour pouvoir y jouer pendant les tournées. Ok. Bon, merci vraiment à vous d'être venus et d'avoir participé à ce live. Merci à tous d'avoir regardé ce live. On se retrouve maintenant le 11 janvier pour le prochain live. À plus.